Voilà. Alors j'ai une douzaine de thèmes sur lesquels je vais plus ou moins m'arrêter. On va aussi réfléchir au programme pour la journée. Je vais tout d'abord dire à peu près dans quelle ligne ça va se passer. Tout d'abord, une réflexion sur qu'est-ce que l'arbre et la forêt, effectivement. C'est en fait des organismes, et ça a des conséquences. Ce n'est pas des machines, ce n'est pas des mécanismes, c'est des organismes. Et quelles sont les implications de cette conception? Ce n'est pas une découverte, c'est une réalité. Le fait qu'on a affaire à des organismes a des implications tout à fait concrètes. Ensuite, on va parler de la forêt et de ses fonctions. Les fonctions de la forêt, c'est un terme tout à fait établi. La forêt n'a pas seulement une dimension d'agrément et de décor en arrière-fond, elle a vraiment des fonctions au niveau de l'organisme terre, si on le considère en tant que tel. Ensuite, des détails concernant la croissance des arbres, quelles sont les structures et les propriétés des bois. Des éléments essentiels pour comprendre comment travailler avec les arbres, comment tailler les arbres. Là, il y a des éléments supplémentaires que je vais sauter, je ne peux pas tout présenter aujourd'hui. Par exemple, comment peut-on retrouver le nombre d'or dans la structure des arbres? Un chapitre tout à fait passionnant, mais qui dépasse un peu le cadre de notre réflexion d'aujourd'hui. Ensuite, la biodiversité, le quatrième thème, très essentiel à cette interaction entre les différents acteurs d'une ferme en agroforesterie. Les cycles de l'eau, comment les arbres font-ils fonctionner, circuler l'eau. Ça nous inspire aussi sur la manière dont nous, on va activer ces cycles de l'eau. Ensuite, bien comprendre comment les arbres créent leur sol, les sols forestiers, c'est un thème essentiel. Les sols agroforestiers deviendront donc, seront inspirés par ces sols-là. Ensuite, deux thèmes sur la gestion des arbres et de la forêt de manière générale, et les arbres hors forêt, les haies vives, les cordons boisés, comment les gérer, quelques éléments qui nous permettent d'appliquer certaines clés. Ensuite, un élément essentiel pour bien comprendre comment fonctionnent les arbres à l'état naturel dans leur fonctionnement spontané, c'est la régénération naturelle. Qu'est-ce que la régénération naturelle? Comment cela fonctionne-t-il dans la nature? Une réflexion sur les dates de plantation lorsqu'on transplante des arbres, une pratique importante pour les agriculteurs, et aussi sur les éléments sur la chronobiologie des semis. Peut-être que là, j'aurai pas assez de temps d'entrer là-dedans. C'est cette grande question des phases lunaires dans le semis. Qu'est-ce qu'on sait? On va voir un peu. Là, c'est un peu ouvert si on a le temps d'y entrer. Ensuite, un élément important, c'est l'interaction entre la provenance des arbres, point de vue géographique, des stations, mais aussi est-ce qu'il y a des forêts naturelles ou des forêts plantées, et les propriétés du bois. Et finalement, un grand thème où j'aimerais vraiment m'arrêter un peu, c'est les impacts sur la santé des cultures et les rendements agricoles lorsqu'on installe des cordons boisés, des haies, des forêts, des composantes arbustives dans les entreprises. Voilà, ça c'est un peu le grand du programme. On va peut-être discuter cet après-midi une partie à l'extérieur prévue tout près. Peut-être qu'on pourrait faire un tout petit peu de théorie en salle encore pour approfondir encore les notions, ce qui nous permet ensuite de profiter aussi des exemples à l'extérieur. Mais il faut se rendre compte qu'il faut pas mal de notions de compréhension, de clés de lecture pour vraiment aboutir à une lecture efficace dans la nature.
C'est toujours une forme de travail qu'il faut accepter de faire, c'est d'acquérir certains concepts. Une fois qu'on a ces concepts, ça nous ouvre les yeux, ça nous facilite la lecture de ce qu'on voit à l'extérieur et comprendre, ça c'est bien fait et là il y a des améliorations à faire. On serait beaucoup moins efficace sans cette acquisition de clés et de concepts. Si on allait directement en forêt, je pourrais longuement vous parler, mais on serait toujours fixé sur des représentations beaucoup trop limitées. Donc ici, on a vraiment besoin d'entrer dans ces concepts généraux qui permettent ensuite, dans chaque nouvelle situation, de comprendre comment fonctionne mon entreprise, mon exploitation particulière. Je sens un peu des courants d'air. Vous seriez d'accord de fermer la porte là, ou bien est-ce que c'est dans l'idée de réchauffer ici à l'extérieur? Je crois que ça sera plus confortable. Voilà. L'arbre et la forêt sont des organismes. En fait, on a toujours affaire à des organismes, que ce soit une plante individuelle ou bien un champ. Mais en particulier, la forêt a une particularité, c'est qu'elle se ferme en fait en tant que quantité. C'est un organisme d'ordre supérieur, donc composé par des arbres, avec ses propres lois. Il y a une atmosphère à l'intérieur de la forêt qui est différente à l'atmosphère externe à la forêt. Lorsque vous avez une canicule, vous entrez en forêt, il fait frais dans la forêt, et à l'extérieur, c'est pratiquement invivable. Pourquoi y a-t-il cette fraîcheur dans la forêt? Question que je peux vous poser déjà maintenant. Chacun peut expliquer ça. Pourquoi la forêt est-elle fraîche? Mais c'est important de se poser des questions toutes simples, parce que nous aussi, vous allez avoir à transmettre ces éléments. Expliquer à un enfant pourquoi il fait frais en forêt alors qu'il fait, il fait étouffant à l'extérieur, il ne tient pas sous la chaleur. Et les Australiens ont eu cette expérience encore une fois de plus cet hiver, mais nous, chaque été, on a aussi des expériences de température extrême. Pourquoi fait-il frais en forêt? Il est fait plus humide, c'est vrai, donc il y a plus d'eau dans les forêts. Mais quel est le phénomène exact? Il ne suffit pas que ce soit humide, mais il y a un phénomène précis qui a lieu. Il y a de l'ombre, c'est clair, les arbres captent le soleil. Et donc dans la forêt, le taux d'illumination est inférieur, le nombre de lux est inférieur, et ça va jusqu'à 10%, même moins selon les endroits, alors qu'on y voit comme en plein jour, mais il y a beaucoup, beaucoup moins de lumière, elle est captée par la canopée des arbres. Mais qu'est-ce qui donne la fraîcheur maintenant? C'est l'évapotranspiration, exactement. C'est donc la transformation de l'énergie solaire grâce à l'humidité que les arbres, il fait humide, ils ont des sols humides, ils amènent cette humidité dans les feuilles pour faire la photosynthèse. Et ce flux hydrique qui va des racines jusque dans les feuilles provoque de l'évaporation, de l'évapotranspiration. On a à peu près besoin de 300 litres d'eau évapotranspirée pour fabriquer 1 kg de biomasse. Et c'est un taux extrêmement efficace, beaucoup plus efficace que dans les plantes, dans les cultures agricoles. Le maïs est très efficace aussi, mais les pommes de terre, c'est par exemple 700 kg d'eau, 700 litres d'eau évapotranspirée pour 1 kg de biomasse. Les arbres sont beaucoup plus efficaces que la plupart des cultures annuelles. Les céréales, c'est quelque chose aussi, je crois, de 600 ou de 900, je ne sais plus exactement. C'est facilement le double ou le triple de ce dont ont besoin les arbres pour faire leur biomasse. Et par cette évapotranspiration, ils absorbent donc cette énergie lumineuse pour faire passer l'eau de la phase liquide à la phase gazeuse, vapeur. Et c'est une transformation d'énergie lumineuse en biomasse par ce phénomène. Et une partie de l'eau part dans la photosynthèse.
pour la biosynthèse. Et ça, ça provoque une absorption d'énergie, et dans la forêt, vous avez donc cet effet-là. C'est donc l'effet évaporation, une surface humide qui est exposée à la lumière va avoir une température plus basse, parce que chaque fois que vous avez des quantités d'eau qui s'évaporent, ça provoque une diminution de température. Voilà, ça c'est une première réponse. Pourquoi est-ce que les forêts ont cette humidité supérieure à d'autres formes d'occupation du territoire? Pourquoi les forêts restent-elles vertes beaucoup plus longtemps alors que les champs sont déjà jaunes, ont déjà séché, ou bien en savane, vous avez les herbes qui ont passé du vert au jaune, mais les arbres sont encore là avec leur feuillage vert. Quelle est la différence? Énormément de matière organique et l'accès à l'eau est intéressant. Il y a à la fois beaucoup de matière organique, c'est donc dans le sous-sol forestier, vous avez une éponge en fait, une énorme éponge qui capte cette eau. Et en plus, les arbres ont accès à la nappe phréatique beaucoup plus profondément que les cultures annuelles. Donc les racines vont très profond, plusieurs mètres, parfois plusieurs dizaines de mètres, et ont toujours accès à l'eau. Et même en surface, vous avez toujours encore de l'eau stockée dans cette matière organique du sol forestier. Voilà, alors on a un organisme qui se fabrique ses sols, qui a accès à beaucoup plus profond que les cultures annuelles. Et cet organisme forestier a une enveloppe, il se protège contre l'évaporation. Le facteur limitant de toute la végétation, quel est le facteur limitant de toute la végétation ? Qu'on a déjà mentionné plusieurs fois. C'est l'eau, exactement. Et partout où on a de l'eau en suffisance, la nature met en place des forêts. Et sitôt que l'eau est limite, les steppes, les savanes, là où il y a encore des failles où c'est possible, les arbres sont installés. Sitôt que vous avez une rivière qui passe, c'est une ripisylve. Mais si le climat est beaucoup trop aride pour les forêts, la dernière forme de végétation, c'est la végétation herbacée qui explose au printemps sitôt qu'il y a des pluies. C'est bien synchronisé. Et ces pluies permettent la croissance rapide de ces herbes, parfois en très grande quantité, des hauteurs au-delà de la taille humaine. Mais si la saison sèche s'installent, ces arbres vont se sécher, vont faire leur cycle de formation des graines, et les graines sont formées pour l'année suivante, ou bien c'est des rhizomes aussi qui permettent ça. Donc ça, c'est la végétation de la dernière qui s'installe. Autant que c'est possible, avec l'eau disponible, la nature se protège par de la végétation. Il faut voir ça toujours de manière, au niveau supérieur, de manière globale. La végétation, c'est ce que la nature veut, elle évite le vide. Et le désert, c'est vraiment lorsque la nature n'a pas réussi à se protéger. Et ce qu'on aimerait maintenant, c'est réinstaller l'arbre partout où c'est possible, en combinaison avec les cultures, pour apporter cet élément de protection du paysage, cet élément de constitution des sols, et les arbres avec leur biomasse permettent aussi de faire des sols. Voilà la forêt en tant qu'organisme. À l'intérieur de la forêt, vous avez aussi une autre ionisation de l'air, par exemple, qui est très favorable à la santé par rapport à l'extérieur, par rapport à une atmosphère citadine. Voilà tout ce que la forêt apporte. Un schéma permet d'illustrer ça. La forêt, c'est une organisation globale, cohérente. Et ce dont on se rend compte, les interfaces entre la forêt et les zones ouvertes sont très importantes. C'est ce qu'on appelle la lisière forestière. C'est lorsque la forêt passe de forêt à une zone cultivée, par exemple, ou bien justement une zone herbeuse trop sèche. Toute la lisière forestière est extrêmement riche en espèces. Toute la diversité forestière a lieu en lisière forestière.
À l'intérieur de forêts, vous avez beaucoup moins de diversité. C'est dans la lisière que se passe l'installation des insectes, des petits mammifères, qui vont circuler entre les zones ouvertes et les zones forestières où il y a un certain couvert. Donc, l'alimentation en eau a lieu ici. La biomasse est ici, mais une biomasse intéressante et des plantes intéressantes pour les insectes, pour les oiseaux, sont aussi à l'extérieur. Donc il faut bien comprendre la forêt comme organisation globale, cohérente, comme organisme qui a sa propre enveloppe et sa propre formation des sols. Et si on regarde à quoi ça ressemble lorsqu'on laisse la forêt se constituer, vous avez toujours une bordure forestière, ici une bordure forestière avec une zone ouverte, avec cette richesse en plantes à fleurs, en plantes à fruits, des arbustes. Toute la diversité forestière a lieu effectivement dans cette bordure forestière. Si on prend le nombre d'arbres d'essence forestière en tant que tel majeur qui permettent de faire les forêts, en Europe centrale, on compte une cinquantaine d'essences. Le hêtre, le frêne, l'érable, plusieurs espèces d'érable. Avec 50 essences forestières, sans prendre les introduites, on constitue les 99% de la surface forestière, en tout cas pour la Suisse, pour l'Allemagne du Sud, l'Autriche. La France océanique, c'est un peu différent. Il y a la Méditerranée qui devient très diverse. Mais avec une demi-centaine d'espèces, vous avez carrément toute la diversité forestière. Mais si on regarde maintenant la bordure forestière, où ce n'est plus seulement des essences majeures, c'est des arbustes, des arbres qui sont exposés à une situation beaucoup plus ouverte, là, vous avez beaucoup plus d'essences. Vous avez, il faudrait prendre le répertoire des essences arbustives, qui vont jusqu'à des arbustes, des petits arbres. C'est très riche en floraison, en fructification, et très riche en espèces. Donc ici, vous avez la biodiversité qui est vraiment à sa place. Et les arbres, les forêts se constituent spontanément sous cette manière-là. Les oiseaux qui viennent se nicher dans la lisière forestière amènent des graines qu'ils ont récupérées d'ailleurs, qu'ils ont consommées, dont ils ont consommé les fruits, et vont tout de suite reconstituer cette lisière forestière si elle est, par exemple, appauvrie. Et là, par exemple, on lit quelque chose d'intéressant. Là, c'est une prairie, la lisière forestière. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous avez une ligne ici à 1,50 m de haut, à peu près? Qu'est-ce qui s'est passé là? Les animaux qui ont mangé... Exactement, c'est le bétail. Et qu'est-ce que ça signifie? Le bétail consomme cette lisière forestière. Il y a un message très important ici. Quel est ce message? C'est du nutriment. Il est très intéressé à avoir ça, à avoir accès à ça. Et ça, c'est quelque chose d'absolument important que le monde des éleveurs a malheureusement souvent oublié. L'élevage industriel a complètement oublié cette dimension-là, c'est que la vache est un animal forestier, un animal des clairières forestières, beaucoup plus que le cheval, par exemple. Et cet animal forestier a besoin de ça pour sa physiologie. La physiologie équilibrée de l'animal forestier comporte ça comme nourriture. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir plus loin, qui va vraiment dans la production laitière, dans la qualité du lait, de manière très, très complète.